Qu'est-ce qui s'est passé ici au Bois de Boulogne là? Bah après le bac, on voulait s'amuser un peu vu que c'était une année très difficile avec le Covid. Et du coup on a fait un rassemblement pour venir tous à Bagatelle. Et bah moi et un pote on s'est dit bah pourquoi pas faire mettre de la musique, faire un DJ set. Et du coup ce qu'on a fait, et ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous on cru, au début on était 50. Finalement je crois qu'on s'est retrouvé peut-être à 300-400. Non, on était vraiment beaucoup, tu te rends pas compte, t'as tout le monde qu'il y a. Comment ça s'est organisé? C'était sur les réseaux sociaux? Ouais, les réseaux sociaux. Il y a un compte Instagram, Terminal, je sais plus trop quoi, mais qui propose des rassemblements pour les terminales. Et voilà, on a pris le bac philo comme une occasion pour se retrouver, pour un peu fêter la fin d'année au Covid, qui a été beaucoup bousculé par le Covid. Et voilà, on a organisé un peu de la musique, mais mon ami l'a dit, on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais voilà. Comment ça s'est organisé? Il y avait du monde, il y avait une sono, tu peux expliquer un peu l'ambiance qu'il y avait? Au début on était là-bas, on a mis un DJ set et tout le monde a commencé à venir, on a mis de la musique, tout le monde a commencé à danser. Et comme ça a pu voir, du coup on a décalé ici, à cause des arbres, comme ça il n'y avait plus de pluie. Et après la police elle est arrivée donc on a dû arrêter. Qu'est-ce que tu penses d'intervention de la police là? C'est légitime? T'es un peu en colère, tu comprends? Bah je comprends parce que c'est normal, parce que on n'a pas le droit de faire ça. Après c'est dommage, mais c'est vrai qu'avec le Covid, les restrictions, il faut les respecter et du coup je comprends très, très clairement. T'as pas peur d'être contaminé comme ça quand tu vois qu'il y a beaucoup de monde? T'as peur? Bah le Covid pour moi, il est un peu parti. 3000 cas par jour pour moi, enfin, comparé à avant. Si c'était avant, quand il y avait 50 000 cas, je suis d'accord que là ça serait vraiment abusé. Mais là, je trouve que en vrai... j'espère juste qu'on fasse pas un cluster, mais je crois pas qu'il y aura ça. Pourquoi c'est important de faire la fête comme ça? Explique-moi. Bah je trouve qu'après si une année difficile comme ça, c'est important de se défouler un peu, se retrouver entre terminales, entre amis et profiter un peu de la vie. Surtout qu'on est jeune et on n'a pas pu très sortir avec les couvre-feu à 18h et tout ça. Et du coup je trouve que c'est important de se retrouver et rassembler entre jeunes. Non, pourquoi c'est important de faire la fête? Explique-moi. Bah déjà dans notre groupe d'amis, on a un gros SO parce qu'on a des gros DJ, ouais. Comme DJ Snerpan. Et voilà, du coup, on voulait partager des talents parmi notre groupe pour pouvoir un peu faire la fête. Ça fait du bien de décompresser, raconte-moi un peu. Oui, bien sûr. Déjà, notre lycée touche à sa fin. Et voilà, tous les élèves vont donc partir un peu partout dans de nouvelles écoles. Et on trouvait ça sympa de se trouver peut-être une dernière fois. Et voilà. L'intervention de la police, là, tu la comprends? Oui, totalement, totalement. C'est totalement légitime. On ne savait pas que ça allait prendre une si grande ampleur. Et c'est normal, il faut respecter les,
les distanciations sociales, tout ça. Et c'est vrai que cette situation a un peu dégénéré, mais bon, maintenant tout le monde est parti visiblement et la fête est finie. Formellement, donc je voulais pas. Franchement, ils ont été hyper sympas, ils sont venus au contact, je n'ai pas reconnu formellement, je voulais pas. Ouais, voilà, c'était. Ouais, il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein de matériel.